Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de speaker par AudioSync. Ça va être un simulateur de haut-parleurs, de micros qui va vous aider à pouvoir transformer vos sonorités en apportant un côté lo-fi grâce à divers types de haut-parleurs, de téléphones, de pas mal de choses comme ça. C'est vraiment un excellent plugin. Et on va découvrir ça aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez les liens directement dans la description. Vous aurez même des liens affiliés pour pouvoir faire vos achats en VST en dos directement sur Plugin Boutique et vous soutenez la chaîne tout à fait gratuitement. Donc pour avoir les renseignements par rapport à Speaker, il faudra aller directement sur le site www.audiosync.net. Là, vous allez choisir la catégorie effets. Donc il y a pas mal d'effets sur le site. Et souvent, ce sont des émulations de VST, de hardware vintage qui sont reproduits. J'ai déjà fait des vidéos notamment sur le Reels émulation de magnéto à bande, sur Vinyl Strip, pareil, une émulation. Vous avez deux VST gratuits à récupérer en vous créant un compte. C'est Filter Jam et le Blindfold EQ, donc un petit equalizer vintage et un filtre que vous pouvez récupérer directement gratuitement. L'éditeur fait aussi bien des VST instruments que des FX. Aujourd'hui, on va découvrir le speaker qui se trouve être à 99€. Donc le speaker, c'est tout simplement un VST qui va vous émuler différents types de microphones, différents types d'enceintes pour pouvoir donner un côté lo-fi ou transformer les sonorités que vous allez passer à l'intérieur du VST. Donc comme vous voyez sur l'interface à l'écran, vous allez choisir tout d'abord un micro, ensuite vous allez choisir un style d'enceinte, après vous avez différentes options. On a un equalizer sur chacun des deux modules, après on a un module de distorsion, un module de compression, un module de filtre, un module pour ajouter des ambiances en background type vinyle, des petits oiseaux, enfin bref, pour donner un sacré côté lo-fi, et enfin on a le dry wet, le input, un soft clip, et en cliquant ici sur routing, on va pouvoir changer le routing des effets pour vous créer une chaîne d'effets vraiment comme vous avez envie. En tout, on va avoir 55 speakers, donc des cabinets d'ampli de guitare, différents appareils, des téléphones, des radios, des enceintes cassées, bref, il y a pas mal de choses. 32 micros à condensateur, dynamique, ribbon, toutes sortes de micros, vous allez voir. On a 18 algorithmes de distorsion et de dégradation du son et 42 background noise, donc des bruits d'appareils, de plages, d'oiseaux, de vinyle, de tape. Et à chaque fois, on va avoir une petite icône par rapport à la collection des enceintes et des micros. Donc, pour transformer, pour donner une ambiance à vos sons, surtout pour ceux qui aiment la lo-fi, ou même quand vous faites de la trap pour donner un certain grain directement à vos instruments ou même toutes sortes de musique d'ailleurs, c'est un excellent VST. Le routing est super souple, on peut vraiment intervertir tous les modules pour pouvoir se créer une chaîne d'effets comme on en a envie. Sur chacun des modules de haut-parleurs et de micro, on a un equalizer pour pouvoir gérer l'équalisation du son. Et bref, après, le VST va fonctionner en VST2, VST3, AAX sur Windows. Sur Mac, il va fonctionner en AAU, VST2, VST3 et AAX en 64 bits uniquement. Vous pouvez aussi trouver le VST directement sur Plugin Boutique au prix de 99€. Vous allez avoir toutes les petites informations. Je vous mettrai un lien affilié directement dans la description pour le speaker et aussi pour découvrir tous les VST de chez AudioSync, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Moi, j'ai énormément d'effets, surtout, qui viennent de chez eux, et ils sont d'une qualité vraiment très très bonne.
on peut faire pas mal de choses, surtout pour donner du grain aux sonorités qu'on passe à l'intérieur des VST. Maintenant, on va aller découvrir ça directement dans Reason. Donc on se retrouve directement dans Reason où j'ai créé une petite session avec une boucle de batterie et trois boucles de samples sur lesquelles j'ai appliqué différents effets qui viennent de chez AudioSync. Donc sur le master, j'ai mis le vinyl strip, qui est un effet en fait qui va nous émuler le son des platines vinyles avec un beat crusher. Je me suis mis en 12 bits. Bref, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pourrez aller la chercher dans la bibliothèque des VST payants. C'est un excellent petit VST. Vous allez voir le son que ça donne. C'est vraiment très cool. Et ensuite, j'ai trois samples différents sur lesquels j'ai appliqué le VST speaker. J'ai même créé des petites modulations pour pouvoir donner un côté lo-fi, mais des modulations différentes sur chacun des samples pour que vous puissiez voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc là, pareil, j'ai réutilisé le speaker. Là, j'ai utilisé The Orb. C'est un petit VST qui avait été fait en collaboration entre AudioSync et Computer Music. Et ça va nous permettre de transformer le son qui passe à l'intérieur avec des syllabes. Donc ça donne un petit style. J'ai automatisé certains paramètres grâce à mon CVPad ici. Après, j'ai une boucle de piano où dessus, j'ai rajouté un AudioSync avec différents réglages. Et sur ma boucle de drum, pareil, il y a un VST speaker. Et on va s'écouter ça directement. Donc là, si je mets la console et qu'on a tout au naturel, ça va nous donner ceci. Donc là, c'est les drums. Le premier sample de piano, il donne ça. Donc on est vraiment dans un esprit lo-fi, hein. Mon second sample de piano, il va donner ceci. Là, les effets sont en bypass. Et j'ai mis un sample de guitare qui va nous donner ceci. On va se faire un petit tour de l'interface du VST et ensuite on va s'écouter les différents exemples que je vous ai préparés. Donc si je prends le speaker et que je l'intègre, ça va nous donner un VST qui a cet aspect-là. Donc directement ici, on a les settings globales. On peut rétrécir l'interface, on peut l'agrandir. Donc là, hop. Et quand je reviens, elle est encore plus grande. On va avoir accès au thème d'arc, à différents presets, les copies de presets, tout ça. La langue, bon, il n'y a pas le français. La réaction de la souris par rapport aux différents boutons. Le thème. Et après, il y a les options de registration en ligne pour pouvoir déclarer votre plugin une fois que vous l'avez acheté. Ici, vous avez une petite bibliothèque avec différents types de presets, donc cabinet, ça va être plus pour tout ce qui est guitare, device, donc bad radio, boombox, broadcasting, bref, il y a pas mal de petits presets, lo-fi et sound design. Ensuite, on va avoir nos deux fenêtres. La première fenêtre, elle, va correspondre au micro. La seconde va correspondre aux émulations d'enceinte. En cliquant ici, vous pouvez choisir différents types de micros ou alors vous avez tout simplement les flèches sur le côté qui vont vous permettre de passer d'un type de micro à un autre. Donc on a de tout comme style de micro, comme vous pouvez voir en ce moment, je l'ai fait défiler. Ou alors on peut rien mettre aussi. Quand on clique sur la petite clé qu'on a ici, on va avoir un equalizer à 5 bandes. Disons qu'on a les deux filtres high pass, low pass. Et ensuite, on va avoir les points pour pouvoir créer nos courbes d'équalisation. Là, on a une option pour le pitch, écho, feedback, balance, donc pour le panning droite-gauche. Un bouton mix pour pouvoir faire du traitement parallèle. Le output et on peut inverser la phase.
Au niveau des simulations de haut-parleurs, ça va être la même chose. On va pouvoir choisir directement les haut-parleurs avec les flèches. Donc on a différents types de piezo, d'enceintes, Game Boy, des instruments, Toy Keyboard, bref, il y a plein d'enceintes de guitare, Ghetto Blaster, computer, ZX Spectrum, orgue, interphone, haut-parleur, mégaphone, appareil à cassette, télé, Walkman, bref, on a toutes sortes d'écouteurs. On peut aussi cliquer directement sur le nom pour pouvoir choisir d'office parmi les presets. Exactement les mêmes options que sur la partie micro. En cliquant sur la clé, on a l'equalizer exactement de la même façon. Un bouton on-off de chacun des deux modules. Et en dessous, on va avoir une unité de distorsion avec le bouton amount et gain. On va pouvoir choisir parmi différents types de distorsion pour dégrader le son. Un compresseur, une section filtre. En cliquant sur l'image du filtre, on va pouvoir choisir parmi différents types de filtres. Et ensuite, on a le background noise qui va nous donner accès à différents types de bruit. Donc radio cassée, computer, laptop. Ensuite, on va avoir... Des places, des caves, Notre-Dame, dans une pièce où on fait du service, la mer. Après, on a la pluie, les orages, des petits oiseaux, de l'eau qui coule, les bruits de vinyle, les bruits de magnétophone, les et les is. Bref, on a tout ce qu'il faut pour donner une véritable ambiance lo-fi. On a même un petit contrôle ici par rapport à l'enveloppe, ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a un instrument qui va passer à travers le VST, le bruit va se mettre en marche. Si on met en marche l'enveloppe, et dès que le son va s'arrêter, le bruit va disparaître automatiquement. On peut jouer sur le pitch et la balance de chacun des bruits. Bref, c'est assez complet. Ici, on va avoir le bouton dry qui va nous ramener le son naturel, le bouton wet qui va nous permettre de gérer le son passé à travers le VST. Comme ça, on peut mélanger le son naturel et le son avec l'effet pour combiner et trouver la sonorité qui nous plaît. On a un bouton input, un soft clipper, et quand on clique ici, on peut changer directement l'ordre des différents effets pour se créer une chaîne d'effets comme on en a envie. D'accord? Je peux même changer l'input, le faire arriver directement. Enfin bref, c'est assez libre, assez précis. On peut faire pas mal de choses et c'est vraiment cool. Dans Reason, un des avantages qu'on va avoir, c'est tout simplement qu'avec le câblage CV, on peut automatiser les trois quarts des paramètres grâce au câblage CV. Et c'est ce que j'ai fait pour vraiment donner un côté lo-fi. Donc là, je vais retirer ceci et on va déjà s'écouter les drums directement avec le preset que j'ai choisi de speaker. Donc si j'éteins le VST, ça nous donnait ça. Avec le VST, ça nous donne ça. Donc ça change bien la sonorité, ça donne un petit style. Et ensuite, au niveau du premier sample, au naturel, on est comme ça. Et si je retire le bypass, il n'y a pas photo, hein. Ça met une vraie ambiance, ça donne un vrai grain. Là, j'ai éteint le micro, j'ai éteint la boombox,
Et là, j'ai fait ma petite équalisation. Donc comme vous pouvez voir, ça apporte une vraie ambiance par rapport au sample qui était comme ça. Et là, j'utilise le générateur de LFO pour faire varier l'écho ici, ce qui me donne ce petit effet de désaccordage. Maintenant, si je passe au sample suivant, donc là, cette fois, j'ai mis deux VST de chez AudioSync. On a le speaker et l'orb CM. Et donc, si on écoute au naturel, le sample, ça nous donne ceci avec les drums. J'ai créé des petites automations. Et si je mets en marche les effets, donc là, ça joue. Sur le VST pour créer des automations par rapport aux voyelles. Si je le coupe, et ensuite, si je prends ici, le speaker, j'ai changé d'enceinte, j'ai changé de micro. Pareil, j'ai fait ma petite équalisation. Donc c'est assez fun. C'est un VST que j'apprécie énormément. Si je prends mon dernier sample, qui se trouve être le sample de guitare, si je le mets en solo au départ, ça donne ceci. Donc pareil, dessus, j'ai refait une petite automation. Et si je mets en fonction le VST, avec une automation ici et ici, pour jouer sur l'écho, ce qui nous donne cet effet de pitch. Là, j'ai même pas fait d'EQ en fait. Très cool. Et sur mon bus master, j'ai mon vinyle strip. Donc si je le coupe, ça donne ça rajoute un peu plus au côté lo-fi. Et là, pareil, sur cet effet, on peut intervertir les effets pour pouvoir changer la chaîne d'effets, quel que soit le module, on peut les intervertir et faire du traitement parallèle puisqu'on a le bouton mix comme vous voyez ici.
Donc ça va nous permettre de texturer les sonorités, de rajouter les bruits de vinyle, bref, apporter de la coloration aux différents sons. Ce sont vraiment d'excellents VST. L'éditeur fait de très très bonnes choses. Et voilà pour la présentation de Speaker. Je pense que c'est un VST à avoir pour pouvoir transformer vos sonorités, les faire passer dans différents types d'enceintes et de micros à essayer pour pouvoir transformer vos sonorités. Donc j'espère que cette petite présentation de Speaker vous aura plu. On peut faire pas mal de choses avec les VST de chez AudioSync. Allez récupérer les deux VST gratuits directement sur le site ou vous les avez aussi sur Plugin Boutique si vous avez un compte. Je vous laisserai les liens dans la description pour pouvoir vous procurer ces VST. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de VST pour donner du caractère, transformer et donner du grain à vos sonorités. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!